appelons à la non-violence. Nous allons aller voir toutes les plateformes françaises, nous allons leur dire et négocier des conditions spécifiques de tous les chauffeurs Uber et ils seront accueillis sur ces plateformes de manière à vider totalement cette plateforme arrogante, sûre d'elle, qui a déjà causé des dégâts dans plein d'autres pays. Nous ne laisserons pas quand même Uber démonter le modèle social français. Demain, je ne saurais vous dire, on est en discussion avec la préfecture de police. Donc, mais quand la mobilisation va reprendre, ça se passera aux aéroports et au siège d'Uber France. On va les empêcher de travailler comme ils nous empêchent de travailler.